Merci, Nat. Tous les essais précédents se sont mal finis. Mais avec cet accélérateur miniature, j'ai peut-être une chance. Une sacrée mission qui t'attend, Tony. Je suis confiant. J'ai fait qu'une seule crise d'angoisse. Je suis presque sûr que tout ira bien. Presque sûr ? Désolé, ma langue a fourché. Ce que je voulais dire, c'est tout ira bien. Mais merci de t'inquiéter, Nat. J'arrive pas à croire qu'on fait ça. Merci d'être passé sur ces schémas, d'ailleurs. Je m'en serais voulu de te voir partir en fumée. Si je finis par exploser, j'essaierai de le faire loin de tout le monde. Sois prudent, Tony. Ça a l'air génial. Parce que ça l'est. Un projet de 1,4 milliard de dollars. Je vais peut-être prendre feu au décollage, mais je le ferai avec classe. Tous les systèmes sont opérationnels, monsieur. Cependant, une forte tempête se trouve sur votre trajectoire de vol. Super, toujours des complications. Bon, on peut plus attendre, Jarvis. Tony, j'ai chargé un peu de musique pour te donner la pêche. Oh non. T'inquiète pas, c'est pas la mienne. Allez, tu vas y arriver. Merci, petite. Bon. 3, 2, 1. Waouh, j'ai eu chaud.
Bon sang. Ces répulseurs sont presque à sec. Avec un peu de chance, il n'y aura pas beaucoup de gardes dans le coin. Bon, voyons ce qu'on a là. Une petite minute. Ça n'a aucun sens. Une formule de régénération. Ça pourrait expliquer la grosse tête de Tarleton. Voilà sa source. Probablement un inhumain malchanceux. Ok, trouvons cette porte. Rien de plus facile. Je sauve cet inhumain. Plus de formules de régénération, plus d'adaptoïdes, et tout le monde est content. Toc toc, quelqu'un ? Il y a de la poussière spatiale partout. Il doit pas y avoir beaucoup de passages par ici. Qu'il faut monter. Je vais pirater cette porte vite fait sans réveiller qui que ce soit. Ah oui. Si ça n'a pas réveillé les gardes robotiques, rien ne le pourra. Thank you.
grande partie du courant ici est redirigée vers cette salle. On n'a pas réveillé les robots chiens de garde en forçant ça. Ils sont peut-être là pour empêcher quelque chose de sortir, pas d'entrée. Bingo. Oh non. C'est pas du tout inquiétant. Dis-moi que t'es vivant. Steve. Steve. C'est pas vrai. T'es vivant. Tony. Qu'est-ce? C'est quoi tous ces trucs? Où est-ce qu'on est? Je te tiens, mon pote. Tony. Tu me serres dans tes bras? Ah non, je... Je voulais pas que tu tombes. Alors pourquoi tu me lâches pas? Oh, c'est juste qu'on pensait... Enfin, je pensais que... C'est bon de te revoir, Cap. Je comprends rien. Ouais, allez, viens. Il faut que tu sortes de là. On bouge. Mais attends. Et Tarleton? Il est vivant? Tarleton? On s'en fiche, non? Mais l'explosion, il était là. Il a survécu. Grâce à toi, apparemment. Et Monica, si on en croit les journalistes. Ça n'a aucun sens. C'est bon, je te tiens. L'évacuation. Tous ces gens. Ouais, on en reparlera plus tard. Tu peux marcher? Ouais, ça va aller. Je vais bien. Allons-y. Voilà le cap que je connais. Allez. Bon. Quel est le plan? On trouve une capsule de sauvetage et... on s'échappe. T'improvises, là, non? Ouais. Je pensais pas survivre jusqu'ici, à vrai dire. Ouais. Tony, où sont les autres? Où est-ce qu'on est? Oh, eh ben, dans l'espace. Oh. C'était pas une blague. Non. T'es sûr d'y arriver, Cap? Ça va aller. Je manque juste de l'entraînement. On doit descendre. Prêt à sauter? Tony? Qu'est-ce qui se passe? C'est une longue histoire. Combien de temps j'ai été? 5 ans? Mais t'as déjà fait bien pire. C'est comme une petite sieste pour toi. Je commence à croire que les gens me préfèrent en glaçon. Ah, tu vois? Tu fais déjà des blagues. Un peu nul, mais ça, c'est pas nouveau.
Capitaine Rogers. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas nous quitter si vite? Monica, ça fait un bail. J'imagine que ton ami Tarleton n'était pas très enthousiaste à l'idée d'utiliser du sang de super-héros pour remplacer les super-héros. C'est moi qui m'occupe des détails. Plus un geste maintenant. Attends une minute. George ne sait rien de tout ça. Et c'est... Très bien comme ça. Oh oh, je crois qu'on l'a mise en colère. Tony ! Je fais ce que je peux. C'est bon, allons-y. Quoi ? Wow, fais pas attention au robot tueur. Dépêche-toi ! Ouvre cette porte ! J'essaie ! Je trouve un peu insistant pour un mort. On va devoir utiliser la force. On aurait dû commencer par ça. Est coincé. Donne-moi un coup de main. Prends l'autre côté. Vert, Cap, il supportera pas ton poids. Derrière moi. Cap, on y est presque. Nouvelle, c'est con. On va pas mourir dans une boule de feu. Et la mauvaise ? Eh ben, on risque de s'étouffer avant. Au moins, on a une belle vue. C'est pas faux. Bon sang. On y était. Bon. Puisqu'on va mourir, quoi qu'il arrive, t'aurais... peut-être une dernière confession. Tes blagues, je les comprends jamais. Oh, je sais. J'ai lu ton journal intime. Pourquoi détruire le réacteur, Cap? Plein de gens sont morts. Il y avait quelque chose d'enterré, au fond de la baie. Une chose reliée au réacteur, qui remontait lentement vers la surface. Le séisme. Je devais réagir.
La faille de San Andreas était prête à s'ouvrir. L'océan aurait englouti la ville, des millions de gens seraient morts. J'ai jamais douté de toi une seconde. Mais il fallait que je l'entende. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, mais qui voilà ? Je vais toujours devoir vous sauver la mise ? J'en attendais pas moins du dieu du tonnerre. Salut, Thor. Ravi de te voir, Captain. George ? Cette idée était de toi. Stark était sur le point de tout nous prendre. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre ? Je te faisais confiance. Je t'ai sauvé la vie. Tu peux contrôler des machines par la pensée. Réfléchis à toutes les... Tu m'as infecté avec son sang. Ça aurait pu me tuer. Mais tu es en vie. Rappelle-toi notre rêve, George. Comment as-tu osé m'infliger ça à moi, Monica ? C'est moi qui t'ai rendu fort. Tu m'as volé tout espoir. Et maintenant, je vais te donner les mêmes chances que j'ai pu avoir. Je débarrasserai la Terre des super-pouvoirs. Même si je dois donner ma vie. Je mange. Hey, salut, toi. Nat. C'est bon de te revoir. Écoute, si j'avais su que t'étais en vie, qui t'avait pris ? C'était pas ta faute. Tarleton n'était même pas au courant pour moi. Quoi ? Le EID ? Le piège ? Monica a engagé Taskmaster pour voler le cristal terrigène. Ces hommes ont amorcé les protocoles de sécurité pour mettre le Chimère en pilotage automatique. Mais ce qui s'est passé dans la baie, c'était inattendu. La signature thermique. C'est ce qui a causé les séismes qui ont détruit la ville. Qu'est-ce que c'était ? Je sais pas. Nadja, je me demande vraiment si j'avais pas tous ces pauvres gens. Non. C'était pas ta faute. Ce vaisseau n'était pas censé avoir décollé. J'aurais fait la même chose. T'as été piégé. Je le savais. Désolée. Viens, il faut vraiment que tu vois ça. Depuis que le Chimère a failli s'écraser dans Manhattan, la situation a empiré. Je crains que l'AIM n'en profite pour intensifier les persécutions à l'encontre des Inhumains. Nous ne les laisserons pas faire. Le monde a besoin des Avengers, plus que jamais.
Nous nous préparons pour notre ultime confrontation avec l'AIM. J'ai terminé l'analyse des schémas de Monsieur Stark afin d'équiper les Avengers pour cette mission, mais il nous manque plusieurs composants spéciaux. Merci, Jarvis. Il est temps de nous remettre en forme pour combattre. Voyons ce qu'il nous faut. Excellent, monsieur. Dans le cadre de cet effort conjoint, nous devrions sans doute aider nos alliés. Étant donné le contrôle étroit qu'exerce l'AIM sur les réseaux de communication à travers le monde, le commandant Hill et le Dr Pym ont des difficultés à coordonner nos opérations. Comment peut-on les aider ? Ils ont requis notre assistance pour détruire le principal centre de communication de l'AIM afin de faciliter l'union des forces de résistance. Allons leur rendre ce service, mon vieil ami. En parlant des médias, de plus en plus de chaînes d'information évoquent la coopération de notre cher Thor Odinson avec d'anciens scientifiques de l'AIM dans une région isolée de la Scandinavie. Probablement des images fabriquées pour servir la propagande de l'AIM contre les Avengers, mais cela mérite une enquête. Je suis d'accord. Mettons Thor sur le coup dès que possible. Je vois que la cavalerie est arrivée. C'est toujours aussi propre et rassurant ici. Il faut que j'installe ça. Je suis un peu rouillé. Ah, ma vieille encyclopédie. Je m'habitue pas à Internet. Ah, je préfère ça à ma capsule cryogénique. Beaucoup de choses à rattraper. Brave d'entre les braves! Ma condoléance! Vous voulez changer de vue? Je suis là. Thank you.
Ce sera un plaisir de combattre à nouveau à tes côtés, Capitaine. C'est réciproque, mon ami. Hello, hello! Vous voulez voir ce que je visionne? C'est ici que Monica a révélé l'endroit où je me trouvais. Qu'est-ce qu'elle prépare ? Il va falloir y mettre des aliments plus sains. On aurait besoin de votre aide. On aurait besoin de votre aide. Vous voulez bien ? Oui, grâce à vous, on a un avantage sur la hyène. Vous avez l'air en forme, Capitaine.